Yo, ça va? Moi aussi, c'est cool, allez, c'est parti. Bon, comme vous le savez, j'ai des origines du Brésil. Du coup, sans vouloir me vanter, hein, ça je tiens à le préciser, je suis donc né avec... La musique dans la peau. Autrement dit, je sais danser. Non, je déconne, hein, c'est pas parce que je viens de là-bas que j'ai forcément la ta gueule, la musique dans la peau. Mais moi, je l'ai. Tout ça pour dire qu'on va parler de danse. Moi, la danse, tu vois, bah, j'aime bien. Parce que tu vois, des fois, quand je suis tout seul, tu vois, je m'enjaille et tout. Enfin, je mets de la musique et tout, je danse tout seul. Mais quand il y a du monde, je perds tous mes moyens. Je fais de la merde, mais un point d'exclamation, mon pote. Bah ouais, comme je suis gêné de danser devant plein de monde, je fais le même mouvement comme ça. Comme je sais pas quoi faire, bah je vais m'asseoir. Sauf que les gens, ils t'en poseront des questions. Bah alors Vincent, pourquoi tu danses pas? Je vais vous dire 6 excuses à dire si on vous pose cette question. Non mais j'aime pas cette chanson. J'ai un peu mal aux jambes là. Je vais boire. Quoi? Attends, j'entends pas, tu me diras ça plus tard, hein. J'y vais. J'ai pas envie de danser, je sais pas. Ta gueule s'il te plaît. N'empêche que danser en soi c'est cool. Bah ouais, ça peut t'aider dans quelques domaines comme la drague et... La drague? Bah ouais, puisque à part les profs de Zumba, personne ne danse pour la santé. Enfin, pas grand monde quoi. En général, c'est pour draguer. Enfin, après, tu risqueras pas de draguer avec de la danse bretonne. Oh, hein, j'ai rien contre ceux qui font de la danse bretonne. Hein. Moi aussi, j'ai des amis des ennemis qui en font. J'ai rien contre vous, je respecte toutes les conneries, les choix. Faites ce que vous voulez, hein. Non, les danses que tu peux draguer, c'est souvent enfin la salsa, les slow, le collet serré et surtout le collet serré. Moi, par exemple, quand je danse des pas brésiliens. En même temps, on me noie dedans depuis que je suis petit. Bah, c'est à chaque soirée que mes parents faisaient avec des amis brésiliens ou brésiliennes. Quand on arrivait, ils dansaient. Quand on mangeait, ils dansaient. Et quand on partait, ils dansaient. Vous dormez en dansant? Non, parce que voilà, quoi, des fois, je me pose des questions. Donc... Du coup, à force de les voir danser, bah c'est resté gravé. Après, t'as des pas qui restent gravés et d'autres que j'essaie de virer. Oui, parce que quand une bande de brésiliennes danse, c'est pas ce que t'as l'habitude de voir. Tu vois ce que je veux dire? Non, enfin, moi, le seul truc qui me chiffonne, oui, parce que je dis chiffonne, c'est que bah à chaque soirée où je suis allé, il y en a seulement deux où j'ai réellement pu danser en fait. Celle où j'ai pas dansé, il y avait de la musique, mais personne ne dansait. C'est un peu chiant parce que du coup, si tu danses, mais tout seul, t'as plutôt l'air ridicule. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux la partager, la commenter, la liker. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le drapeau du Brésil. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Et moi je vous dis ciao ciao en toute simplicité.